Rien ne peut nous échapper, Enkidu. Ne vole pas de ce côté, Enkidu. Montre-moi le chemin. Apparemment, Ali a décidé d'attaquer quand même le palais. Ces rebelles pourraient distraire les gardes. Toi, celui qu'on ne voit pas, tu penses pouvoir nous aider à franchir ces portes? C'est de l'intérieur qu'elles sont fermées. Vous semblez avides de combattre, mes frères. Je vais voir ce que je peux faire. Je dois faire vite et en silence. Kabeha sera sur ses gardes. Hey, tu veux que je Qu'est-ce qui se passe? Des renforts? Hey, mais... Quoi?
Passe quelque chose? Qu'est-ce que... Un peu de musique serait la bienvenue. Et elle attirerait les gardes. Tu joues délicieusement. Alan Saidi, je crains que tu n'arrives un peu tôt. Je ne fais que m'échauffer les doigts. Il me semble bien assez chaud pour régaler les oreilles de ces gardes. Oui, peut-être. Mais pas pour rien. Tiens, voilà. Merci de ton soutien aux artistes. Espérons que cela dégagera la porte.
Tu ne deviendras jamais. Je me fie à ton instinct. Continuons à ouvrir. Hein? Qu'est-ce que c'était, ça? Attends! Réveillez-vous! On a vu quelque chose! Hé! Hey, une seconde! Hé! Hey, qu'est-ce qui se passe? Hé! Hey, toi! Les serviteurs vont où ils veulent. Cet homme pourrait m'aider à ouvrir certaines portes. L'air est si lourd aujourd'hui. Nous vivons des temps bien difficiles. Et très inhospitalier. Dis-moi, ne devons-nous pas honorer l'invité comme il se doit? Absolument. Mais Al-Mutawakkil a été tué dans son palais d'hiver. Et la sécurité a été renforcée. Je vois ça, oui. Partout où je vais, ce ne sont que regards soupçonneux et portes closes. Merci de m'avoir écouté, Sayyidi. لن يخرج ابدا ذلك ما تناله من هجائك صالحا ابن عبد القدوس في السوق لا ادعي انني قاضيه لكني اعتقد ان العقاب كان قاسيا بعض الشيء ان يفقد صبي يده هكذا وليس له جرم غير جرم ولعلي ارق من اللازم Qu'est-ce que c'était? Je ferai. Un scorpion sur une pyramide. On pourrait en écrire une histoire.
Ah, j'ai du mal à garder les yeux ouverts. Samir dit que les Turcs sont le cœur de l'armée, mais que le calife, lui, a le peuple. Mais ses épouses, alors? Et le vizir? Qui dirige la cour? Oh, moi je vais faire. C'est trop compliqué d'essayer de comprendre qui a le pouvoir. Si tu veux, mon ami, je devrais envoyer la moitié de la cour à la Haute-Barre pour des dizaines d'années. C'est chiant, profiteur. Il se moque bien du calife que tu le prends. Je t'ai déjà raconté la fois où l'émir a été furieux contre le Sahib. Il y a une fille qui m'attend chez moi à Erbakan. Nos parents se sont... J'ai connu pire, en combattant avec l'émir de Barta en 38. J'ai pris une lance dans le dos. J'en ai réchappé. Et j'ai mis tout un hiver à m'en remettre. Toi, reste là. J'étais sûr que... Je ne t'oublierai pas. Tant qu'on me paie, je vais où on me dit d'aller.
Qu'est-ce qui se passe? Enfin, reste à trouver Kabiha et à sauver Alamut. Chez moi, Adir. Ça y est, on a enfin attrapé le faux monnayeur de Tabik, celui qui inondait le souk près du monastère des Vierges. On a trouvé un vrai trésor. Hein? Qui? Écraser un sec. Thank you.
Tiens, tiens. Voilà un visage que je connais. Il n'y a plus de danger. Vole à ta guise, Enkidu. Le poste me va bien. Pour une fois, on se sent en sécurité. Je risque de m'y faire. Le cuisinier doit avoir du mal. Tu te souviens de mon oncle Karim, le marchand de parfums? On a été attaqué par des bandits à côté de la magie de Borata. L'imam Ali soit loué, il est toujours en vie. Ces marauds ont de plus en plus de culot. Tu sais, ce n'est pas ça. Oui, n'est-ce pas. Veillez à ce
je me mets à ronfler. Frappe-moi. Tu veux mon avis ? Le harem du calife est dépravé. Ça fait des générations que les femmes comme Harib entretiennent une culture impie. J'espère que le calife, que Dieu ait son âme et lui accorde longue vie, réussit à y résister. Je ne fais pas très attention à tout ça. Ça me passe au-dessus de la tête. Si seulement je pouvais atteindre cette maudite sangle. Elle me démange, c'est une horreur. Il faudra que je mette une étoffe en dessous demain. Mon estomac n'arrête pas de faire des bruits bizarres. Ah, quel enfer! Ce crétin de Hamza a recommencé ce matin. A provoqué le nouveau, à lui voler sa nou... Il doit y avoir quelque chose d'important à garder pour qu'on soit aussi nombreux. Mais je ne vois pas quoi. J'ai connu pire, en combattant avec l'émir de Barda en 38. J'ai pris une lance dans le dos. J'ai réchappé. J'ai mis tout un hiver à m'en remettre. Oui, oui. Je sens que je vais me coucher moins bête grâce à toi. Tu es déjà allé chez Abdullah. Ça te plairait là-bas. Il a de belles terres près de la route de Koufa. Des palmiers pour l'ombre, Narissa tout près pour l'eau. Mais la maison a besoin de... Je n'en reviens toujours pas qu'il m'a traité comme ça. Je sais que... Te voilà. Ton dieu t'attend. Je t'aurai dans la chaîne. Non. Tu te battrais. D'accord. Là. العشاء بإذن الله.
لكن علي مساعدة أبي مع شمال عجوز بعد المغرب. إنه يعاني من الفجور أو الأسلحة، لكنه لم يسبق أن كانت الأمور هادئة على حدودنا قط. لكن Ces rencontres deviennent trop fréquentes. Je suis bien de ton avis. Où est Kabeha? Si je le savais, je ne te le dirais pas. Ne joue pas les idiotes, Makera. Pourquoi? Ça a bien marché la dernière fois. Est-ce que tu sais où est Kabeha? Où est-elle vraiment? Je le sais plus que quiconque. Et je suis davantage un enfant que son propre fils. Un crétin qui a laissé mourir son père devant ses yeux. Tu n'as aucune idée de ce à quoi tu as affaire. Moi, si. Et je te le dis avec bonté. Quitte cet endroit. Makera va avertir sa maîtresse. Voyons jusqu'où elle va. Θα πρέπει να είχε δει ένα αντίγραφο του έργου στο μάχη. Όπως και να έχει. Je pense que j'ai été suffisamment patient. Elle m'a vu. Je ne dois pas la suivre de trop près. J'étais avec Iqbal le jour où le mur s'est effondré. Pas assez près pour entendre les cris ou autre chose, mais on a vu le résultat juste après. Pas beau à voir. Tu crois qu'ils seront à l'heure aujourd'hui? Ils avaient combien de retard hier? Une heure? Si ce n'était pas si fréquent, je m'en moquerais, mais... Hey! Quoi? Tous à la mort! La bibliothèque. Kabeha doit y être. لعنت الله عليك. Tu ne peux pas me laisser tranquille. Toi, avec plaisir. Mais ta maîtresse... Fais ce que tu veux. Tu ne la trouveras pas. Et ne compte pas sur moi pour t'en dire plus. Il doit y avoir une salle derrière celle-ci. Mais comment l'atteindre? –
Que déclamait Harib déjà? Rage de l'océan. De nombreux volumes d'Harib. Kabeha est une admiratrice. Des livres bleus, noirs, blancs et jaunes. Quel livre pourrait bien choisir Kabeha pour marquer son passage? Elle avait ce livre d'Harib dans son bureau. Que déclamait Harib déjà? Rage de l'océan, j'apaiserai tes tempêtes. Brûlure du désert, je baignerai dans ta chaleur. Frappe comme le cobra, mais plonge en mon sein. Vole comme la colombe, mais viens dans mon nid. Peut-être y a-t-il un indice dans l'un de ses poèmes. Symétrie du ciel ou océan, désert, cobra, colombe. Quelque chose a sûrement dû m'échapper. Que déclamait Harib déjà? Rage de l'océan, j'apaiserai tes tempêtes. Brûlure du désert, je baignerai dans ta chaleur. Frappe comme le cobra, mais plonge en mon sein. Vole comme la colombe, mais viens dans mon nid. Que déclamait Harib déjà? Rage de l'océan, j'apaiserai tes tempêtes. Brûlure du désert, je baignerai dans ta chaleur. Frappe comme le cobra, mais plonge en mon sein. Vole comme la colombe, mais viens dans mon nid.
Quelqu'un s'est donné beaucoup de mal pour cacher cet endroit. C'est qu'on ne voit pas. Tant d'années passées à chercher, à fouiller livres anciens et tombeaux, à exhumer des récits oubliés, à scruter les rumeurs et les mythes. Alors qu'il suffisait d'attendre que toi, tu viennes jusqu'à moi. Le fils prodigue est arrivé. Mais il ignore encore ce qu'il est. Ne t'es-tu pas interrogé sur ta nature? Toi, qui vois davantage, qui sais davantage. Même mon fils s'est enquis de ta nature. En voyant ta main toucher et éveiller le présent des anciens. Que suis-je? Tu es plus qu'un homme. Assez d'énigmes! Parle clairement! Pourquoi décrire ce qui peut se montrer? Viens avec moi à Alamut. Sous les murs de son temple se trouve le savoir dont toi seul es l'héritier. Tes prétendus frères préféreraient mourir à te voir t'en emparer. Mais n'aie crainte, Passim. Nous allons préparer le chemin. Et te libérer. As-tu léché sur ses lèvres? Elle a dit que j'étais plus qu'un homme. Qu'a-t-elle voulu dire, Roshan? Qu'est-ce qu'il y a en dessous du temple? Ce lieu est interdit. Il n'y a rien pour toi là-bas. Je t'ai parlé des cauchemars, du djinn. Et tu m'as traité de faible, m'as dit de résister. J'ai essayé maintes fois, mais tu as caché le moyen. Tu m'as laissé lutter seul. Non, pas seul. Tu n'es pas le premier homme brisé à marcher parmi les ombres, Passim. Rassemble tes morceaux et raccommode-les. Ta peine, verse-la dans la confrérie. Purge-toi du venin de cette femme et reviens auprès de nous. Pas plus qu'un homme. Mais rien de moins que notre frère. À moins que cela ne te suffise pas. Et si c'est le cas? Suis le chemin qu'elle t'a tracé. Et moi-même, je te tuerai. Il faut que je parte d'ici, que j'annonce à Nihal ce que j'ai appris. Thank you.
quoi ? Les corbeaux vont se régaler. Oui. Ah. C'est bien, non ? De mourir. Te voilà. Alhamdoulillah. Une fois encore, j'en suis sorti vivant. Et ai laissé le chaos derrière moi. Mieux vaut se faire tout petit. Laissez-le ! J'ai intérêt à rester caché. Habitants ! Le calife encourage tous ceux... La Shurta cherche à salir la noblesse de mon nom. Accepte ceci en témoignage de mon innocence. Parfait. Maintenant, si tu veux...
fait bien. Sois le bienvenu. Permets-moi de jeter un coup d'œil. Le choix ne manque pas. D'une fiabilité sans faille. Un guerrier avisé soigne son matériel. Vendu. Merci bien. Quoi, rien d'autre ? Je dois m'en aller. Fais bon voyage, l'ami. La paix, mon ami. Bonjour. Peux-tu améliorer ceci ? Voilà ce que je possède. Rien d'autre ? Remarquable. Je te remercie. Au revoir.